Ravens de jouer dans le gars. Quand même, hein. Bah évidemment, oui. Ah, chouette, oui, oui, oui. Alors, à mon avis, je les ai entendus à la radio. Nous l'avons déjà vu quelques fois à la RTBF, dans des spectacles en prime time. C'est un humour décapant. On l'entend en radio toutes les semaines. Et voilà, on aime bien. Ouais. Je l'ai vu l'an dernier ici. Il est déjà venu ici l'an dernier. Vous le saviez ? Oui, oui, oui. Non, il est tout bon. Je trouve ça très, très bien parce que sa vision est franche. Il a vraiment une discrimination positive, je vais dire, vis-à-vis, aussi bien que ce soit les Flamands que les Wallons. Son esprit est ouvert. C'est le vrai mot flamand, quoi. Je ne sais pas dire exactement à quoi ça correspond. Mais c'est vraiment ça que j'adore et je pense que cet humour-là, je trouve qu'il est plus drôle que les francophones. Nous, on n'est pas arrogants, on est simplement riches. Allez, amusez-vous bien. On nous s'informe vraiment sur rien. Savoir pourquoi Napoléon mettait la main dans son giron. On nous cache tout, on nous dit rien. L'affaire Trucuchet, l'affaire Machin. Non, première fois, mais vraiment très chouette. C'est bien placé, bien juste et de l'humour et une info, vraiment super chouette, vraiment. C'est quelqu'un qui dit exactement ce qu'il pense et sans, je dirais, sans retenue. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez remarquable. Surtout qu'il avait, je crois qu'il avait un bon public. Il y avait des politiciens dans la salle et je crois qu'il n'a pas eu peur de... Je dirais de dire ce qu'il avait à dire, donc c'était très gai et on a bien rigolé. Ben, ik heb al enkele contact gehad met Bert op radio, maar VRT bijvoorbeeld, maar soms op RTBF, ook, nu is een chroniek, maar ik heb het nog niet gezien op, in een theater en het is de eerste keer. Het is zeer spannende, het is misschien een zeer Belgische humor en ik heb de reactie van de zaal gehoord, het was verschrikkelijk. Hè? Het is een zeer sterke reactie en zeer positief. Ik was een beetje verrast om zo'n positieve reactie te horen van de zaal, zelf bijvoorbeeld een imitatie van de koning. Frans aan de kant is al denk moeilijker dan in Vlaanderen, maar hier het was zeer goed. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien.